Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de traîner un peu le matin comme ça. Eh oui, mais ça fait surtout du bien que tout soit redevenu normal. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on a passé une super soirée hier soir. Ouais. Hein. Dis-moi, ça s'est arrangé avec Olivier? Oui, il a été formidable, il a très bien compris. Et avec Nicolas? Et avec Nicolas, tout va bien. C'est génial. Oh, ça m'énerve, c'est moi qui suis obligée de poser toutes ces questions maintenant. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Lali? Je sais pas, mais elle est très occupée, là. Moi, je suis trop curieuse, je vais voir ce qui se passe. Hein. Moi aussi. L'amour est là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vient de cette partie-là du monde. Ah oui, c'est ça. Mais Lali, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis concentrée. Arrête de bouger la table. Tu as essayé de tirer tes cartes, c'est ça? Oui. Oh, tout est écrit là, voilà. Tu crois ça, toi? Oui, j'y crois. Imagine-toi que c'est pratiquement scientifique. Alors, l'amour est là. La papesse est là, la papesse, la tour qui s'effondre. La tour qui s'effondre, chamboulement dans ma vie, ça veut dire que quelque chose va me tomber dessus. Oh, et tu en es sûre, là? Bah, ouais, c'est marqué là, alors... Ah, bah c'est marrant, ça. Ouais. Pour une fois, tu te trompes pas. Mais c'est sérieux, mais vous rendez pas compte. Depuis tout à l'heure, ma vie est chamboulée. Lali, mais arrête de te faire des films. À chaque fois que tout va bien dans ta vie, il faut toujours que tu trouves quelque chose pour que ça n'aille plus. Mais je ne trouve rien. C'est marqué là, c'est marqué dans les cartes et c'est marqué dans le livre. Arrête de tripoter mon jeu. Alors, explique-nous qu'est-ce qui ne va pas. Alors, c'est pas compliqué. Voilà, yes. L'amoureux est à côté du monde. Mm-hmm. La papesse est à côté de la tour. La tour s'effondre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma vie va être chamboulée par un homme. Un homme qui va débarquer. Ah ouais? Et la papesse, c'est toi? Oui, la papesse, c'est moi. Ça soit pas? Non, pas vraiment, non. Excuse-moi. Bon, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir l'amoureux. Oh, que... L'amoureux! Oh, oui, l'homme qui va chambouler ma vie. Oh, oui. Ah! Quoi? Ah, quelle horreur! Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh mince, c'est un barbu. Oh, c'est cool. Mais je déteste les barbus, j'aime pas les barbus. Tu mets des toasts, Nicolas? Avec plaisir. Ça touche chaud. Oh. Ils sont dorés à poids. Normal, ils ont été préparés avec amour. Merci, Lali. C'est vrai que c'est normal. Comme toujours préparé avec amour. Tu les avais préparés avec amour. Bon, Lali, tu sais, je me demande de quelle façon je te préfère. Quand tu me dis des trucs comme ça ou quand tu tires tes cartes? Lali? Lali? Quoi? Tu tires les cartes? Juste comme ça, quoi, de temps en temps. Dis-moi, Manu et Flo, ils sont partis en week-end tous les deux, c'est ça? Bon, Lali, tu vas pas remettre ça sur le tapis, s'il te plaît, hein? Oh là là, mais ça devient compliqué d'avoir une conversation dans cette maison, hein. Bon, écoute, c'est vrai, quoi. Je l'ai quand même laissé partir avec lui. Tu devrais être contente. Je vais quand même pas sauter de joie. Oh, mais arrête. Et puis tu sais bien que Manu est un garçon sérieux, alors. Ouais, je sais. C'est pour ça que je lui ai confié ma soeur. Mais tout le monde est grognon ce matin, hein. Non, moi, je veux très bien. Alors, tout va bien. Mais au fait, tu sais que... il faut qu'on aille chercher une commode chez ma mère ce soir. Non mais attends, je vais pas me bousiller les reins, moi. Elle est comment, cette commode? Bah, elle est lourde. Sinon, je te demanderai pas d'aide. Hein. Je peux choper à la mago. Bon, t'arrêtes de râler, je viendrai vous aider. En attendant, passe-moi la confiture. Qu'est-ce qu'il y a, Lali? Ça va pas? Si, ça va. Je reviens, j'ai oublié un truc. Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas. Je vais aller voir. Qu'est-ce qu'il y a, Lali? Mais elle dit que c'est horrible. J'arrive même pas à regarder Sébastien dans les yeux. Bon, pourquoi? T'aimes plus ses beaux petits yeux bleus? Mais non, c'est pas ça. Je vais le quitter, il sait même pas. Mais pourquoi voudrais-tu le quitter? Parce que depuis tout à l'heure, j'ai retiré 3 fois les cartes et à chaque fois, je suis tombée sur exactement le même jeu, cette espèce de barbu qui va arriver, qui va chambouler ma vie, voilà. Mais sans où tes cartes? Il est où, ce livre? Il est où? Qu'est-ce que tu vas en faire? Je vais les jeter, je vais les mettre à la poubelle. Non. Franchement, ça te réussit vraiment pas, genre de truc. Non. Donne-moi ça! Trop con, Apollon, elle veut jeter mon jeu de cartes. Et comment je vais savoir mon avenir, moi, maintenant, hein? En le vivant, je te jure que ça sera beaucoup plus simple.
T'as un problème, Lily? Non, non, ça va bien. Bon, alors viens boire ton thé, va refroidir. Ouais. C'est quoi? Je crois que je t'aime. Moi aussi. Et c'est la première fois que je ressens ce genre de sentiment pour un garçon. T'as jamais été amoureuse avant? C'est pas ça. Avant, j'avais envie d'un garçon physiquement et je crois que j'étais amoureuse de lui. Avec toi, c'est pas pareil. Ah, t'as pas envie de moi physiquement, c'est ça? Mais si, mais si, mais... Je te dis, c'est pas pareil. Et il y a d'autres trucs avec toi. Beaucoup d'autres. Ah, excusez, on dérange. Pousse-toi, je veux voir. Trop tard. Ça va, vous deux? Ça va, ça va. Bah, je dois y aller. Je vais vous laisser. Ouais, fini les mamans, faut laisser répéter les hommes maintenant. Hein? José, hein? Tu veux être gentil avec ta belle-sœur un peu? Quelle belle-sœur? Mais c'est pas ma belle-sœur? Mais c'est pas idiot ce qu'il dit. Réfléchis. Manu et Flo. Ouais. T'es ensemble au week-end. Ouais, ouais, ouais. Flo, ta sœur, Manu. C'est ton frère. Ouais. Et ben alors donc, c'est ta belle-sœur. C'est malin, ça. Ah ouais? Ouais, quelque part. Ouais. Je suis ton beau-frère aussi, hein. On t'en rajoute pas, toi. Hein? Ça se trouve, ils sont en train de faire une bêtise tous les deux, ça suffit. Une minute, José. Mon frère, c'est quelqu'un de correct, lui. Alors que toi, tu l'as pas toujours été avec moi. Là. Attends, Nathalie, je plaisantais, tu peux rester si tu veux. Oh, non, non, non. De toute façon, je dois m'en aller. Bon, bah salut. Bon, bah salut, Nathalie. Nathalie, t'as pas oublié quelque chose? Mais t'inquiète pas. Ben, ça va mieux déjà. José, c'est malin. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Bah, tu pourrais arrêter d'être agressive avec elle, non? Bah, attendez, ça va, je suis comme ça de toute façon. Et puis, c'est pas parce qu'elle sort avec Christophe qu'il faut la considérer comme une princesse. Hein. Mais c'est pas grave, j'ai oublié ça. Je le connais, il est pas si méchant que ça. Non, on travaille, on a assez perdu de temps. Allez. Ouais, bonne idée, hop! Minutes, je m'accorde, je suis à vous. Bah non! Et au fait, José, ils sont où là, Flo et Manu? Ils sont au bord de la mer. Hein? En plus, c'est dégoûtant, ça pue l'iode là-bas. C'est infernal. Hein. Il y a le dernier sur mon clavier. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Là, tu es là. Oui, dernier. Mais attends, c'est un insecte, ça va pas te manger. Eh alors, je m'en fiche, vous l'enlevez d'ici ou je sors d'ici? Allez. Mais ça va pas, enfin. C'est qu'une petite araignée. Écrase-la. Oh, oui, sûr. Elle est toute mimi, y'a aucune raison de la tuer. Eh, je vous préviens, hein, c'est elle ou moi. D'accord. Écrase-la. Oh. Allez, viens là, viens là. Bon, ouais, ça va, allez, oh. Allez, hop. Voilà. Pourquoi tu l'as fait écraser? José, cette araignée, elle a le droit de vivre, comme toi et nous tous. Ah, d'accord. Zut! Zut! Mais qu'est-ce que j'avais tiré? Attendez, je vais vous aider. Oh là là, ma barbue! Excusez-moi, je vous ai fait peur. Non, 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 non. Vous vous tirez les cartes? Non. J'ai cette famille. Oh, bien. Je veux bien, hein? Oui. Au revoir. Au revoir. Excuse-moi, les photos ont duré plus longtemps que prévu. Hein? Mais qu'est-ce que tu fais avec ces bouquins sur la tête? Rien, je lis. Ah oui, c'est une face originale de lire, mais puisque tu es tellement original. Linda, mais qu'est-ce que tu faisais? Ça fait une heure que je t'attends. Mais je te l'ai dit, les photos étaient interminables. Tu peux pas savoir, c'est terrible ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu vois le type qui est là-bas? Il n'arrête pas de me regarder. Il m'a même aidé à ramasser mes cartes. Oh, et alors? C'est plutôt sympa de sa part.
Linda, il est barbu. Oh, mais non, Lali, tu ne veux pas recommencer avec ça, quand même. Je suis désolée, hein. C'est écrit dans les cartes. C'est aussi logique que rien font d'eux. Oh, mais je suis désolée, mais je crois pas que ça soit tout à fait pareil, tu vois. Ah oui, et est-ce que tu peux m'expliquer par quelle coïncidence l'empereur que je n'arrête pas de tirer dans mon jeu se trouve ici, dans cette cafette à 3 mètres de moi? Lali, des barbus, ils doivent rentrer dans cette cafette tous les jours. Selon là, tu ne fais pas attention à eux, c'est tout. Chut! Là, il est spécial. Regarde-le. Mais tu es pénible, c'est pas possible. Regarde-le, je te dis. Hé! Eh? Mais je le connais, c'est Jean-Paul. Comment ça, Jean-Paul? C'est un assistant photographe, il est hyper sympa. Oh, excuse-moi, je vais lui dire bonjour. Non, non, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Linda, je t'en supplie, tu fais pas ça. Mais allez, je suis obligée, il va croire que je suis le grosse tête, sinon. Je t'en supplie, tu restes ici et tu bouges pas. C'est trop tard, puisqu'il m'a vu maintenant. Linda. Ça va, Jean-Paul? Ouais. Ça fait plaisir. Ouais, ouais. Alors quoi de neuf? Arrête, José, on peut plus respirer là. Quoi, quoi? Donc, grâce à moi, on verra plus une seule araignée pointer son sale museau ici. Si tu continues, nous non plus. Bon, ben ça va, José, tu vois pas qu'on suffoque là? Quoi, quoi? C'est pas dangereux, ça tue les bestioles, pas vous. Mais t'as vu la quantité que tu nous mets là-haut? Non, mais t'es complètement fou, c'est pas fait pour ça, tu te rends pas compte? Non, c'est vous qui vous rendez pas compte, une piqûre d'araignée, c'est vachement dangereux, on peut en crever. Ouais, moi j'en peux plus, je sors, je peux plus respirer. Ouais, ouvre la porte, t'as raison. Ça va mieux là, hein? José, non, pas la cinquième. Arrête, arrête, arrête. Quoi, tu préfères te faire piquer par un araignée? Hein? Attends, on en a trouvé une seule, elle était ridicule, en plus elle est dehors. Qu'est-ce que tu veux de plus? Bon, mais attends, c'est des araignées, ça se trimballe jamais seul, ce genre de bestiole. Il y a toujours la famille dans le coin. Bon, écoutez-vous, faites ce que vous voulez, mais moi j'en peux plus, je sors. Hein. Ah ouais, non, mais moi aussi, complètement taré, là. Comment tu fais pour respirer ça? Arrête! Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Un problème? Non, aucun, non. Arrête, cherchez quelqu'un? Oui, Sébastien. On m'a dit qu'il était là. Ah bah, Sébastien, tu me reconnais pas? Didier? Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je venais te voir. Bah, ouais, ouais, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez ou vous sortez? Parce qu'avec mon produit, la porte ouverte, ça va se barrer. Oh, et puis les bestioles, elles vont rentrer. Bon, écoute, on va rentrer. Mais t'arrêtes avec les bombes. Ouais. De toute façon, elle est vide. Bon, bah, rentre si tu peux respirer. Ouais, je crois. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, c'est un petit copain qui a peur des araignées drôles, hein. Ah ouais, vous avez une invasion d'araignées. Non, on avait une araignée. Ah ouais, je vois. Quoi, ça te fait rire? Non, non, pas du tout. T'inquiète pas, il est toujours comme ça. Alors, je te présente José. Salut. Lui, c'est Nicolas, Olivier salut. Et Christophe. Ah, salut, bienvenue. J'espère surtout que tes poumons sont costauds, si tu vois ce que je veux dire. Ça peut aller, ouais. Bah, je vous présente Didier, c'était mon meilleur copain quand on était au lycée. Comment t'as fait pour m'en trouver? Bah, comme je passais par Paris, j'ai appelé tes parents et ils m'ont dit qu'à ce temps-là, tu répétais avec tes copains, ils m'ont donné l'adresse. Bah, t'as bien fait. Dis-moi, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Ça doit faire 5 ans maintenant. Mais à part ta coupe de cheveux, t'as pas changé? Ah, ça, c'est un petit signe de l'armée. Je sais ce que c'est, je suis passé par là aussi. Et la barbe? Pareil. Je l'ai laissé pousser après mon service militaire, puis je m'y suis fait. Ça me fait vraiment plaisir de te revoir. Et moi aussi. Qu'est-ce qu'on fait, les copains, là? Bah, étant donné l'ambiance et l'atmosphère, on sort de là, on arrête. Ouais, je crois qu'il a raison. Bon, bah écoute, tu veux venir à la maison, on va prendre un pot, je te présenterai ma fiancée. Ouais, avec plaisir, ouais. Vous venez avec nous? Bah, moi je viens pas, j'ai un rencard. Avec Nathalie, comme d'habitude? Ouais, t'es fort, toi. Et toi, Olivier? Bah, moi aussi, j'ai un rendez-vous. Avec qui? Avec la cousine de Cindy Crawford. On y va à trois? Hein? Non. Nous, on va déménager une commode chez la mère de Béné. Tu lui as promis, n'oublie pas. D'abord, je viens t'aider. Ah, j'ai oublié. Pourquoi je lui ai promis ça, moi? Allez, hop. Non, mais qu'est-ce que tu fais avec ça, là? Je prends mes précautions parce que je suis sûr que le grenier de la mère de Bénédicte est affaissé d'araignée. Tu veux ça ici, puis tu vas se vivre, c'est arrête, bête, arrête, là. Arrête, arrête. Non, bah ça. Allez, hop. Mais bon, mais bon. Mais bon. À tout à l'heure. Dis-moi, il est toujours comme ça? Mais parfois, il est pire. Bon, on va y aller, je suis en moto, je vais te passer un casque. Mmh. Ok. Mais enfin, Lali, pourquoi tu n'as pas voulu que je le présente à mon copain? Mais parce que je te l'ai déjà répété 100 fois, ton copain est barbu. Ah! Mais ce n'est pas parce qu'il est barbu que ça va forcément être lui qui va chambouler ta vie. Mais Linda, je préfère ne pas prendre de risques. Un point, c'est tout. Mais tu es complètement folle, hein? Complètement. Imagine que tu m'aies présenté ton copain et que je sois tombée amoureuse de lui, alors que c'est pas du tout mon genre. Mais Lali, tu ne risquais pas de tomber amoureuse de lui puisque ce n'était pas ton genre. Mais
Linda, mais je crois que tu comprends pas. Quand c'est écrit dans les cartes, c'est écrit. Ah, tu me vois sortir avec un type pareil, en plus il est moche. Alors ça, c'est méchant, il est pas moche. Linda. Mm-hmm. T'as vu son nez? Yes. Ses yeux? Yes. Sa bouche? Mais là, ce n'est pas que l'apparence physique qui compte, là. Oui, ben jusqu'à un certain âge, si. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'elle a, je vois, là-dedans? Oh, écoute, quand j'aurai 50 ans, j'aurai le temps d'avoir des fiancés moches. Ah bon? Parce que tu comptes pas beaucoup de copains à 50 ans? Mais j'en sais rien, mais écoute, en ce moment, je préfère qu'ils soient beaux, c'est tout. Oh là là. Alors là, les vraiment là, je te comprends pas. Tu me répètes sans cesse que tu es amoureuse de Sébastien et en même temps que tu pourrais craquer sur n'importe quel garçon à condition qu'il soit beau. Ben oui. Mais je sais pas pourquoi je te dis ça, zut. Parce que j'ai le sang chaud, j'en sais rien. Écoute, Linda, laisse-moi tranquille. Là, il faut que je sache. Il faut que je sache quel est l'affreux barbu qui va venir et qui va chambouler ma vie. Ok, fais comme tu veux. Moi, je vais chercher le jus d'orange. Oh, tu peux m'en prendre un, s'il te plaît? Oui, madame Irma. Merci. Alors... voilà. Nom, 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 nom. Alors, une, deux, trois, un, l'empereur. Quatre, six. Tiens, la roue de la fortune. Ah oui, ça veut dire qu'il est riche. Qui est riche, là? Eh ben, le barbu. Il est riche, ton copain? Non, je crois pas, puisqu'il est juste assez sympa de grave. Ça veut rien dire, Linda. Il peut très bien avoir une famille riche. Ah. Bon. Il faut pas que je comprenne cette histoire. Ah, mais j'ai compris. Mais ça peut pas être ton copain, le barbu! Et comment tu peux le savoir? Parce que mon empereur a la barbe claire et que ton copain, il est barbu brun. Ah. Oh ouais, ça va mieux. Ah, tant mieux. Pour moi aussi, tiens. Tu sais quoi? Je vais demander à Sébastien de se laisser pousser la barbe. Comme ça, plus de problème. C'est vrai que c'est une solution, mais tu sais, tu pourrais aussi arrêter de tirer les cartes. C'est beaucoup plus simple. Ça, je peux pas. Je suis trop accro maintenant, je peux plus m'en passer. Oh là là, mais tu es tellement influençable, Lali. Oui, peut-être, mais je connais mon avenir, moi. Ah. Est-ce que tu veux que je te tire les cartes? Comme ça, tu vas savoir ce qui va se passer entre Nicolas et toi. Surtout pas! Alors là, non, j'ai préféré laisser faire la vie et de découvrir jour après jour, ok? Comme tu voudras, tant pis pour toi. En tout cas, toi, mon petit empereur, si tu as la barbe blonde, j'espère que t'es mignon. Salut les filles. Salut Sébastien. Salut mon chéri. Je vous présente Didier. C'est un de mes plus vieux copains, on est au lycée ensemble. Salut. Bonjour. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Rien. T'as une jolie barbe, Didier. Ils viennent pas ici. Hein. Mais ça va, calme-toi. Ils sont en train de discuter tranquillement quand t'es dans le salon. Ils ont aucune raison de venir ici. Mais Linda, est-ce que tu te rends compte que c'est Sébastien lui-même qui a rapporté avec lui le garçon qui va me voler à lui? Mais tu t'es venu complètement dingue avec ces cartes, hein? Tu sais quoi, je suis sûre que c'est lui. J'en suis certaine. Il n'arrête pas de me regarder. Et en plus, je le trouve mignon. Ah. Mais c'est normal qu'il te regarde puisque tu es la petite amie de Sébastien. Et Sébastien est son meilleur ami. Non. Alors il fait attention à toi, c'est tout. Non, 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 non. Il me regarde de façon bizarre, je te dis. Lali, tu me fatigues, là. Est-ce que Bénédicte dit à quelle heure il serait là? Mais j'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Mais je suis c'est moi, pour mettre le roast-lip au four. Eh bien, tu n'as qu'à téléphoner aux parents de Bénédicte. Comme ça, tu le sauras. Et tu me fatigues avec les histoires, toi aussi. Oh. Comment tu le trouves? Mais qui? Mais Didier, le barbu blond, le copain de Sébastien. Mais je ne suis pas posé un quart de seconde cette question. Je crois que tu devrais en faire autant. Je peux pas. Bon là, je n'en peux plus. Là, allez, je vais chercher du pain à la boulangerie. Okay. Ça sent bon ici. On venait vous faire un petit coucou. Tu vas où, Linda? Je vais chercher du pain. Bah tiens, je vais t'accompagner en moto, ça ira plus vite. Mais non, non, ne t'étérange pas pour moi, ça va. Mais si, attends, tiens, Didier, tu vas t'accompagner à Lali. Avec plaisir. Allez, on y va, vite. Lali, à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure.
Eh bien, sois sage, Lali, enfin. Ne fais pas bêtise en cuisine, non? T'inquiète pas, je vais éplucher mes carottes. Ça a l'air délicieux, ce que tu prépares. Ouais, c'est très bon. Bon, écoute, Didier, on va mettre les choses au point tout de suite. Je suis très amoureuse de Sébastien, je suis sa fiancée. Si jamais il se passe quelque chose entre toi et moi, ce ne sera qu'une aventure. Vu? Et pourquoi est-ce que tu me dis ça? Parce que j'en ai envie. Et ne m'en demande pas plus. Tu devrais pas éplucher tes carottes comme ça, tu vas te couper les doigts. Je sais très bien ce que je fais. Qui est-ce? Bouge pas, j'y vais, ça doit être Isabelle. C'est qui ça, Isabelle? Ma fiancée. Sébastien m'a dit que je pouvais l'inviter à dîner ce soir. T'as une fiancée? Il a une fiancée. Mais t'as une fiancée, mais c'est génial. Mais bravo, bravo, vraiment, c'est merveilleux, vraiment. Je t'adore. T'es un super barbu, vraiment. Un garçon magnifique qui se sourit, un regard échangé, un soir d'été. Deux enfants du même âge qui s'aiment sur une plage. Cela s'appelle le miracle de l'amour. Un baiser que l'on donne, les yeux fermés, deux cœurs qui s'abandonnent dans les rochers, des serments échangés.